Bonjour à tous, ce matin nous sommes en cuisine et rapidement nous allons faire du brocoli avec la crème fraîche accompagnée des escalopes de poulet. Rapidement, je vais monter les ingrédients et nous allons commencer la cuisson. Je n'ai pas besoin de trop d'ingrédients. Comme vous voyez là, c'est les poivrons rouges que j'ai découpés, ajouter du poivron vert jaune. Ensuite, le brocoli lui-même, la star, déjà là découpé. Et je vais vous montrer, là j'ai carottes, oignons et blanc de poireau et vert, la queue aussi, hein, la queue du poireau, on dit la queue, je sais pas, de toutes les façons le poireau. Et maintenant le poulet, donc premièrement nous allons placer notre poêle au feu. Voilà un filet d'huile et je laisse, n'est-ce pas? Dès que c'est chaud, je fais revenir les blancs de poulet avec tous les épices. Je vais vous montrer comment ça se passe. On attend que l'huile chauffe. Pendant ce temps, je découpe mon poulet en longueur comme ça. Vous voyez, je fais des petites lamelles comme ça, vraiment des lamelles très fines hein, pour que ce soit pas très grossier dans l'histoire, le plat et tout. Alors, comme vous voyez, c'est le basilic, poivre, persil, un peu de sel, un peu de ail et on fait revenir nos blancs de poulet que nous allons mettre de côté et continuer la cuisine. Alors voici nos légumes que je suis en train de faire revenir dans un filet d'huile. Maintenant vous salez, vous poivrez selon votre convenance. Voici mon petit secret pour toutes les sauces vertes. Je prends deux petites louches comme ça et je rajoute dans la sauce qui est au feu. Ici, il y a un peu de tout. Donc, ce que j'ai pas oublié, je le retrouve dans cette pâte. Elle est aussi très appropriée pour tous ceux qui font, n'est-ce pas, les grillades et autres poissons, viande. Ça marche super bien. J'ajoute une petite louche comme j'ai rajouté. Là, vous voyez que là, la pâte devient directement consistante. Et après, je vais mettre, n'est-ce pas, un petit verre d'eau pour que cela puisse prendre. Moi, j'ajoute mon brocoli et à la fin, mes haricots verts. Je couvre 5 minutes et après je vais ajouter mon poulet avec une cuillère de moutarde et voilà, c'est prêt. Alors je préfère le ail haché à la fin parce que ça conserve l'odeur, ça conserve le goût et tout. Maintenant vous couvrez pendant 10 minutes et après c'est prêt. Bon appétit.